Bonjour. Alors, si vous prenez le temps de regarder cette vidéo, c'est parce que vous vous interrogez à savoir pourquoi j'ai décidé de travailler sur la base de dons et de faire confiance que les gens avec qui je travaillais, soit en entreprise ou en individuel, vont donner ce qui représente une juste valeur et ce qu'ils sont capables aussi d'offrir. Et pourquoi j'ai décidé de le faire comme ça? Ben, c'est ce que j'aimerais vous partager, puis comment ça vous impacte. Et ben voici. Donc, premièrement, aucune arnaque, aucune cachette, aucune tactique derrière le fait de vous proposer de travailler ainsi. Et puis, je sais que pour certains, c'est inconfortable. On a besoin souvent d'avoir un prix ou une espèce de commitment envers un engagement, envers ce qu'on devrait verser pour un service attendu. Puis moi, je vous amène complètement ailleurs. Parce que c'est comme ça que je le sens. Depuis le jour 1, quand j'ai créé ma pratique, il y avait déjà une page de dons qui était disponible. On peut les appeler dons, on peut les appeler cadeaux, on peut appeler là comme vous voulez. Le fait est qu'il n'y a pas de prix fixe à travailler avec moi. Pourquoi? Parce que dans le fin fond de mon cœur, j'ai la confiance que vous, qui allez travailler avec moi, allez donner ce qui est juste, ce qui semble être bon et ce qui représente la valeur que vous tirez du travail qu'on va faire ensemble. Que vous appuyez sur ce que le marché dicte, ce que d'autres font, sur d'autres expériences que vous avez eues, sur comment vous le sentez, sur l'inspiration, sur l'énergie, peu importe sur quoi vous l'appuyez, j'ai confiance que ça sera juste pour vous et ça sera juste pour moi. Je sais que c'est une approche qui est très, très différente de ce qu'on connaît, de ce que moi-même j'ai connu dans mes 20 ans dans le monde corporatif. Mais je pense que deux piliers pertinent à partager derrière cette intention-là, puis cette façon de faire. D'un, la confiance, l'ouverture, l'amour, j'englobe tout ça ensemble, mais j'ai vraiment confiance que si on va travailler loin ensemble, we're gonna do deep work here, on va pas du travail de surface. Alors, si on travaille ensemble, c'est parce que vous voulez aller travailler votre âme, vous voulez régler des trucs qui vous empêchent d'avancer, soigner des vieilles blessures. C'est un travail de fond qu'on fait ensemble, c'est un travail qui est transformatif. Et c'est tellement important pour chacun de nous de faire ce travail-là que j'ai confiance que vous et la vie vont me récompenser de la juste façon. Donc ça, c'est le premier morceau. Le deuxième morceau, c'est peut-être mon intention d'être un guide, un éclaireur, un donneur d'espoir sur, je pense, un modèle économique qui va changer dans les années à venir. La façon dont on a toujours fait affaire, basée sur le modèle qu'on connaît actuellement, avec l'argent comme axe principal et le profit, je pense que ça va changer ça, et il y a quelque chose d'autre qui va s'aligner avec notre éveil de conscience, puis les leaders de cœur que nous sommes, et tout le travail intérieur que les gens commencent à faire, puis vont faire de plus en plus. On entre dans une ère qui va être très spirituelle. Et si ce langage-là, déjà, ça ne vous parle pas, vous avez envie d'arrêter la vidéo, ben c'est correct, c'est parfait. Ça veut dire qu'on n'est pas aligné pour travailler ensemble, et peut-être qu'on le sera éventuellement. Mais pour ceux qui entendaient ce message puis qui résonnaient avec ce que je vous dis, parce que ça vous parle en dedans, il y a quelque chose qui clique, je pense que vous allez être d'accord de fonctionner de cette façon-là. Et ce sera peut-être même quelque chose qui va vous inspirer vous-même dans votre métier respectif, dans votre profession respective, ou dans vos passe-temps ou side hustle, ou votre implication communautaire, peu importe. Pour justement vous aligner sur quelque chose qui résonne, qui fonctionne différemment. Et du coup, ben, je ne serais pas surpris de voir qu'il y a
entreprises qui vont adapter leur modèle, qui vont fonctionner sur une autre façon que le pur échange de services ou produits pour l'argent, déjà fixe, un montant préétabli, avec des marges préétablies selon le marché, la compétition, etc. Et je pense que ça va arriver beaucoup plus vite dans l'industrie du service parce que c'est peut-être plus facile. Et ben, comme j'en fais partie, puis que ma pratique, c'est une pratique spirituelle, je pense que pour moi, actuellement, où j'en suis, ça s'aligne bien de le faire comme ça. Est-ce que ça sera toujours le cas? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je le sens. Puis, je suis à une période, une saison où je veux coacher, 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 coacher. Et bien honnêtement, je ne veux pas que ça soit une barrière pour la décision d'aller chercher le coup de pouce, l'aide, l'accompagnement nécessaire. Bien que vous avez peut-être une grande abondance, puis les moyens de payer la somme que je pourrais vous demander, moi je le fais avec mes propres coachs qui me chargent entre 300 puis 500 dollars US de l'heure, puis ça me fait plaisir de leur donner parce que j'y crois et ça m'aide. Je pourrais faire la même chose avec mes propres clients, mais c'est pas comme ça que je le sens en ce moment, pour les raisons dont je vous ai expliqué. Et voilà. Donc, si ça vous inspire, c'est tant mieux. Et je vous invite à continuer à éplucher mon site web et ce que je fais, mes vidéos, ma chaîne YouTube, le blog, ou même, plus simplement, communiquer avec moi si vous voulez entamer une démarche exploratoire pour qu'on échange, qu'on discute quelques minutes, voir si y a un fit entre nous, puis si on peut travailler ensemble. Et ça me fera plaisir de vous accompagner, vous aider. C'est ma mission. C'est ça pourquoi je pense que j'ai été envoyé sur notre belle terre. Et si je peux vous inspirer, vous guider, vous accompagner dans votre propre démarche de croissance personnelle, de guérison, puis de transformation, ben, j'en serai choyé et j'ai confiance que vous allez me donner, récompenser à la hauteur de ce que vous pouvez le faire, puis ce qui semble être juste dans la valeur que vous recevez dans notre travail ensemble. Voilà, je ne pouvais pas être plus authentique que ça. Il n'y avait pas de message précané, j'ai pas de texte à lire. Ça l'a sorti comme ça, puis ouais. One take, je suis satisfait. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt dans un bel échange dans ma âme. J'en suis certain. Ciao, merci, à bientôt.